Hello les gars, là du coup on est à Dortmund et du coup on est avec Brice qui a fait un super score ici à Dortmund, donc il a fait top 64. Donc salut Brice, qu'est-ce que tu joues aujourd'hui? Je joue le pourri. Ça fait 6 mois que je joue le deck et à chaque fois qu'il y a un major, j'ai pas la force de le ramener. Je vais toujours jouer autre chose, Dark World, etc. Donc je me dis là, c'était le moment de le jouer, ça aurait quand même été dommage de pas faire un major avec. Bon, je joue le petit top avec. C'est un top un peu nul, mais bon. Quand même. C'est un super top frérot. C'est minimum syndical, exactement. Après on va dégager. Vas-y mec, on t'écoute. Du coup pour la liste. Alors juste avant que je commence la liste, je l'ai faite un peu différemment des autres fois la préparation. Parce que du coup vu que je suis seul à jouer à priori de la team, j'ai juste été dans un couloir tout droit tout seul pendant plusieurs semaines. J'ai discuté avec les autres bien sûr sur le méta. Mais pas de concertation, rien, j'ai fait une liste un peu vue de l'esprit tout droit et c'est parti quoi. C'est pas la meilleure liste, mais c'était un format où vraiment au SIS, c'était les gens qui connaissaient leur deck plus que le deck en lui-même qui ont top. On voit ça avec Samir, avec Sprite, Sylvain, avec Brandel, etc. Et, voilà. Et du coup, pour la liste, alors c'est pas le genre d'artwork que j'aime jouer d'habitude, mais je préfère les trucs un peu moins enfantins, mais bon, là c'était le cas. Donc, 3 petits purlis, 3 petits noirs. Un 3 purlis. J'ai joué. Bon, c'est obligé, 6. J'ai joué 3 Fenrir. Donc la carte elle est très middle, dans le sens où en fait elle est bien pour complémenter une open. Elle donne une couteau qui fait une free discard. Et plus une interruption si la leap elle se prend un truc et qu'on n'arrive pas à faire exploser les noirs. Par contre, bon, il y a des fois où il y a des matchs dans lesquels il n'est pas exceptionnel. Mais il rajoute une pression et spécifiquement dans Purly, je pense que c'est une bonne carte. Ensuite, pour les entraps. Il y avait 3 H parce que en fait elle est fondamentale pour arrêter certaines cartes comme Branded Fusion spécifiquement. Et même pour Shen en miroir contre Purly pour éviter de prendre l'effet de Purly noir qui pose leap, etc. Donc elle est importante pour certains timings spécifiques, plus qu'une vraie entrap pour essayer de faire brick l'adversaire. Je ne joue aucune autre entrap monstre parce qu'elles sont plutôt mauvaises dans le format. Veiler c'est trop faible, Nib c'est trop mauvais, etc., etc. Donc c'est tout ce que je joue en monstre. Et j'arrivais quand même à toucher des monstres sur Princess Sprite. Donc le gros du deck c'est les magies. Bon bah là 3 My Friend, 3 Beauty, 3 je sais plus, 3 Sleepy, une Delicious. Et je jouais uniquement 2 terrains. Donc je sais que 3 pour l'avoir forcément via My Friend c'est bien. Mais c'est pas une carte que j'ai forcément envie de voir en main de départ, surtout en gros second. C'est assez even, on va dire, comme carte, ça peut être la même chose. On est obligé d'en jouer au moins 2 pour avoir des stats plus ou moins corrects sur l'effet Purly. Voilà. Donc, pas grand chose à dire là-dessus. Et ensuite, donc, j'ai fait le choix d'opter le deck plus en mode Power Spell. Et je vais expliquer pourquoi. Donc j'ai 3 prospects. Parce qu'il va chercher Fenrir si besoin quand on start. Il va chercher PTT, TTT, qui eux-mêmes peuvent me donner Herald of the Abyss ou Plumeau. Qui sont en fait un peu. En fait, l'idée c'était d'avoir un package un peu générique contre la plupart des decks du format. Je pense que Herald of the Abyss ne doit pas être joué dans un deck qui n'est pas Purly. Parce que dans un deck qui n'est pas Purly, l'adversaire. Comment dire. Enfin, si on joue pas un deck qui est Purly, il vaut mieux faire exciser encore pour lui concéder les draws et ne pas lui concéder les draws et lui concéder la récup. Et surtout le problème de Herald of the Abyss, c'est qu'il suffit qu'il chaîne une quick play pour envoyer la Lily à la place. Parce qu'elle a les mêmes types et attributs. Mais dans ce Purly spécifiquement, ex-Purly noir, l'adversaire ne va jamais le bouger. Parce qu'il a trop peur de TTT. Donc, on peut essayer de clean un petit peu toutes les backflows autour, et ensuite, une fois qu'on est safe et qu'on est certain qu'il se résout, là il passe. Je suis pas un grand fan de la carte, mais c'était l'out de main. Sinon, il n'y a rien de particulier. Il y avait 3 impermanences, parce que, encore une fois, l'idée c'est de battre le DDD de Unchained, qui est sinon vraiment problématique, et qui nous oblige à faire du moins en passant par PTT, TTT. Voilà. Et puis il y avait une. Ça c'est pour le main. Nickel. Incroyable. Donc pas de Nibiru, pas de. Non Nibiru.
Bon, ça, c'est le petit aquali qui va avec. Aïe. Alors, là, ça devient un peu plus épicé. Deux bonheurs pour les OTK. Deux beautés. J'hésitais à en jouer une ou deux, mais deux, ça s'est révélé comme intéressant grind. Ensuite, un noir, un plump évidemment. J'essaie toujours de focus le plump pour faire des hard exploits noirs. L'exploit noir. Plutôt que le setup avec leap, parce que je vais moins piocher. Mais c'est difficile de jouer à la guerre de est-ce que je joue l'out, la carte pour que ma leap passe. C'est-à-dire que si je commence à me dire je vais des cross-out pour Book of Moon Eclipse, ben je vais prendre une XT encore. Ou bien il va laisser passer, je vais prendre un Herald. Ou bien je vais prendre un mini-contrôleur sorti de nulle part. Donc j'ai essayé au maximum de ne pas jouer dans cette guerre-là et juste de mettre des noirs directement qui sont là et qui attendent le kaiju ou la mort. Voilà. Ensuite il y avait elle. Ben, en vrai, elle sert à rien, c'est juste qu'on doit spam les pluries pour essayer de faire gratter une petite carte, mais elle sert vraiment à rien. Toujours bien l'invoquer en défense si on ne sait pas contre quoi on joue, parce qu'un Mirror il peut la rendre indestructible au combat et faire FTK, on ne sait jamais. Et Downer d'un Zeus, bon, il n'y a plus qu'un Shira, donc je considère qu'il n'y a plus besoin de deux Zeus. Et la plupart du temps, quand je dois me résoudre à faire un peu de Zeus, c'est que je ne suis pas en bonne posture. Donc voilà, ça suffisait, mais pas plus. Ensuite, Anima, obligé. Mask Arena, obligé. Enfin, Azalea, obligé. Enfin, ça sert à out Dark and B1. Ça m'est arrivé d'ailleurs, mais c'est important. Et ensuite, donc, alors je jouais pas Slacker, parce que pareil, si je dois X6 deux petits trucs pour faire un Slacker, pour faire un Play Zeus, à chaque fois c'était game perdu. Donc plutôt qu'essayer de trouver des trucs un peu techniques comme ça, et ben, j'ai décidé de me faire un peu de place en extra et de jouer les deux targets à Ultimate Slayers. Donc on va parler tout de suite. Évidemment, NTS plutôt que Garura, parce qu'on a trop de prospects dans le deck. Donc ça c'est pour l'extra. Et du coup le side. Alors il y a quand même deux drôles parce que j'avais peur des decks Zinzin, Infernoble, etc. Un Magna, un Drusworm, ils sont pas là pour Unchained, ils sont là pour tir. Ça aussi d'ailleurs c'est pour tir, pour Flunner, etc. Mais ça c'est spécifiquement pour tir. Et éventuellement Dragon Link, mais j'ai déjà assez à side. Mais voilà, c'est pas, faut pas considérer que c'est les cartes que je mettais contre Unchained. À la limite le mono Drusworm quand je commence pour interrompre, mais ça s'arrête là. Du coup la brique pour Slayer. 3 Slayer. En gros, l'idée c'est que ça détruit Dragon Link. Donc, s'il fait un setup Seal Borelen ou Borelen Savage, parce que ça force tout, et Borelen est une carte contre laquelle on a beaucoup de mal. Donc, jouer Slayer ça donnait un Onite à Borelen, plus ça nettoie naturellement tout le terrain. Contre Unchained, si il fait son tour normal, et ben il le prend sur la Link et du coup, Evil Twin pop le César. Si je joue autour du César, et ben dans le pire des cas, ça fait send un X6 et du coup on nous voit quand même le César, donc dans tous les cas, elle était cool. Voilà, j'en suis servi aussi contre un Manadium. J'ai fait ça sur une Link. J'ai pété le deck Lockdown et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pour ça qu'on peut aussi la side contre. C'est moi qui pose Evapro et qui met des X6. Cortex. Non, je sais plus. C'était peut-être contre. Pas Labyrinthe, mais enfin il y a un deck qui posait des vapeaux chiantes mais qui mettait quand même des links, donc ça marche quand même, donc c'est plutôt intéressant. Après, alors j'ai dit que j'acceptais de ne pas jouer la guerre du j'ai Book of Moon mais j'ai Cross Out, etc. parce que j'ai pas de Cross Out, pardon, j'ai pas de Book of Moon, je n'ai pas de Book of Eclipse, rien du tout, mais Cross Out est quand même là, mais c'est plus une carte, soit pour Go Second, pour Warrior Team évidemment, soit. Et c'était la majorité des cas en fait, soit pour le Mirror, pour cross-out, spécifiquement quand on est en second, pour cross-out la train. Et du coup ça le met dans un bord beaucoup plus faible, et ça complémente le héros des abysses. Aussi, la plupart du temps, enfin de moins en moins, je la side contre n'importe quel autre deck. Parce que oui, effectivement, si la barrière dim, par exemple, si Unchained ne fait barrière dim, c'est compliqué. Mais il y avait une tendance à jouer de plus en plus. Parfum anti-magie plutôt que Warrior Dim, auquel cas cross out est de tous les cas inefficace, sauf à jouer un parfum anti-magie, mais ça commence à faire des trucs un peu bizarres. Il y avait aussi un Lightning Storm, ça a aidé aussi du coup quand on est alors 2 secondes pour PTT
et aussi quand on est first pour les decks qui vont essayer d'interagir avec nous, comme éventuellement bah, Tire la Munt, PTT, Barrier Dim, ça bon, voilà. Ça, je l'ai résolu une fois, et ironiquement c'était en Mirror. Bon, j'ai gagné du coup, mais j'avais déjà gagné sans ça, mais bref. Voilà. Et la dernière, alors là ça veut dire qu'avec ce side là, si le mec a la moindre carte et que j'ai pas exploré noir directement, et qui peut m'interrompre, que ce soit Book of Moon, Eclipse, etc. comme je l'ai dit, je fais pas mon explore. Du coup j'ai choisi de mettre deux jugements solennels, bah, juste parce que comme ça, peu importe la carte, elle passera pas. Donc ça fait un peu deux pseudo cross-out. Et la seule carte que ça gère pas, c'est la même que cross-out, c'est Exis encore, donc finalement il n'y a pas beaucoup de changements. Payer 4000 ça fait cher, mais on va dire qu'avec Sleepy, activer des Sleepy en stand-by, enchaîne à l'IP, ça évite de mourir quand même dans tous les cas. Donc, et voilà pour le side. Super mon gars. Est-ce que tu as des shout-outs? Shout-out. Franchement, pour ce SCI, shout-out à moi-même. Voilà. Waouh. Waouh. D'abord shout-out à moi-même parce qu'il n'y avait pas un mec dans la team qui jouait pour lui pour m'aider. Ça arrive, c'était mon choix. Bien sûr, merci à l'équipe. Merci à Samir que j'ai 5 Zelda de jour. Je lui ai donné. Je jouais rien. Il a pris toutes ses briques, il en a pas eu ce week-end, ça allait. Tu ? Ouais, bref, ça, on va revoir avec lui après. Non, et shout-out à. Je les oublie à chaque fois. Merci aux gens du DC aussi, au voyage, etc. Et, sauf William, bien sûr. Sauf William. C'est plus mon petit. Bravo, ah ouais. Ça va aussi. Ça fait plaisir. Et voilà, ouais, donc voilà, c'est. Top 64, c'est pas incroyable. Surtout que j'étais un peu l'escroc, puisque j'étais le seul X3 à passer. Mais ça fait un peu digérer l'amertume des playoffs. Et puis on essaiera de faire mieux à Bologne. Voilà. Merci Zuckel. Les Puntos. Les Puntos. Merci mon gars.